Et voilà, terminé. Ouh. Allez, terminé. Il fait chaud, hein? C'est très bien. Oh là là, ça y est, ça y est. C'est très bien. Alors. Bon. Pas trop fatigué, ah, monsieur? Oh fatigué, non, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais il fait chaud quand même, hein? Il fait chaud quand même, hein? Oh. Vous allez donner combien de pourboires, monsieur, là? Voilà. Merci. Combien vous donnez, là? Merci. 20 francs. D'accord. Vous avez combien de tonnes, là? Une tonne 5? Une tonne 5, 30 sacs, oui. 30 sacs, alors ça ferait normalement 12 francs de pourboire. Oui. De dû. C'était une nécessairement dure, hein, faut pas l'oublier. Donc là, en définitive, vous deviez avoir 12 francs, 12 vous francs. Avez eu 20 francs. Francs, donc ça vous fait 8 francs de pourboire. 8 francs de pourboire, voilà, c'est ça. C'est 12 francs, si vous voulez, qui sont normalement d'office, enfin d'office, qui sont d'office, qui ne me le donnent pas, moi je réclame le soir à la patronne, enfin au bureau. Ah, c'est ça. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de ce pourboire? Est-ce que d'après vous, c'est normal? Moi, je trouve que c'est normal pour le travail qu'il fait. Je vais boire un café à midi, ben, je donne 10 francs de pourboire. Et... Par contre, je trouve pas normal. Moi, ce que je trouve normal, c'est dans les cafés, qu'il n'est pas un fixe, comme nous. Alors moi, je trouve ça bien, cette comportement-là, c'est inadmissible de voir des choses pareilles. Je parle pour ça parce que ma femme travaille là-dedans, et je trouve ça, ça me met hors de moi, des machines comme ça. Vous êtes obligé d'attendre la main pour manger la croûte le soir, s'il n'y a personne. Généralement, au comptoir, le service est non compris ou laissé à l'appréciation de la clientèle. Alors, lorsque l'on règle sa consommation, doit-on laisser quelque chose au garçon? Oui, et c'est normal dans la mesure où tout service mérite un salaire et par conséquent, on laisse un pourboire pour rémunérer le service qui a été rendu et pour remercier de la façon dont il a été rendu. Mais encore faut-il s'entendre sur le sens du mot pourboire. À l'origine, il y a de cela plusieurs siècles, le pourboire c'était ce que laissait le seigneur à la personne qui lui avait rendu service pour boire à sa santé. Aujourd'hui, il n'est plus question que les garçons de café, par exemple, utilisent tout ce qu'on leur laisse pour boire. Des consommations, d'abord parce que la ligue anti-alcoolique interviendrait, ensuite parce que les pauvres malheureux ne pourraient pas y résister. En fait, il faut distinguer en droit entre le service et le pourboire. Ce sont des choses aussi différentes que les arts ou les acomptes, par exemple, mais que tout le monde mélange en fait. Le service est quelque chose qui est toujours obligatoire. C'est une somme qui est due par le client. Tandis que le pourboire, lui, n'est jamais obligatoire. Garçon, s'il vous plaît, garçon. Est-ce que ici à ce bar, est-ce que ici, le pourboire est obligatoire? Non, il est obligatoire. Et le service? Le service, oui, puisque c'est notre salaire. C'est ça, non, mais le service, laissé à l'appréciation de la clientèle, il est quand même obligatoire? Oui, sinon on n'a rien à manger, puisque c'est uniquement notre salaire. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette expression, laissé à l'appréciation de la clientèle, s'il n'est pas laissé à l'appréciation de la clientèle, en définitive, puisqu'il est obligatoire? Je trouve que c'est idiot, ça. Je ne comprends pas pourquoi laisser à l'appréciation. Il y a des clients qui vous laissent, il y en a qui ne vous laissent pas. S'il ne veut pas vous laisser, vous ne pouvez rien faire. On ne va pas aller chercher la monnaie dans sa poche. Quel est le prix de votre consommation, monsieur? Non, c'est rien du tout. Alors voyons, ça fait 1,80. Alors vous avez laissé combien de service? Oh, bah, je laisse les 20 centimes, toujours. Alors de service ou de pourboire? De pourboire. Ah non, c'est le service. Ça, c'est le service, hein? Ouais, donc c'est obligatoire. Bah, en principe, oui. Non, je sais pas si c'est obligatoire. Si, le service est obligatoire. Oui. Et le pourboire? Bah, le pourboire, c'est pareil, c'est le pourboire service. Alors c'est obligatoire ou c'est pas? Non, mais en principe, c'est pas obligatoire. Ah, ni l'un ni l'autre. Eh ben, je l'ai laissé 20 centimes. À l'appréciation de la clientèle, ça veut dire obligatoire? Oui. Ou facultatif? C'est facultatif en principe. Alors, vous savez pas si c'est obligatoire ou facultatif? Non, c'est pas obligatoire. Ajoutez à cela que très souvent, le consommateur a une espèce de peur de paraître pingre, si vous voulez, etc. Les choses ne sont pas claires. Alors, puisque le service est obligatoire, si le service est mauvais, qu'est-ce que je fais? Comment je dois réagir? Ben, Jean-Marie Pertuis, si vous n'êtes pas satisfait des émissions de la télévision, est-ce que vous pouvez vous dispenser pour autant de payer la redevance? Non. Eh bien, c'est la même chose. Bien qu'on ne soit pas satisfait du service, vous êtes, en rentrant et en commandant, vous avez passé un contrat. Au terme de ce contrat, vous vous engagez à payer la consommation au débitant et à payer le service à la personne qui vous sert. Merci, monsieur. Il y aura toujours un grand verre qui marche. 2,80 €. Deux, quatre, six, huit, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et un. 1,80 sur 5. En principe, par jour, ça fait 240, 250.
francs. Oui, pour deux. Pour deux personnes, oui. Et au bar uniquement. Uniquement au bar. Merci, merci. Merci, merci. À la terrasse d'un café merci, ou au merci. Restaurant, vous pouvez tout rencontrer. Merci, le service merci. Est de 10, 12, 15 ou même 20%, en sus, compris ou non. Un seul conseil, bien lire les écriteaux concernant le service. Un rappel, le pourboire n'est jamais obligatoire. Merci. Moi, je vis des 15% que chacun de mes clients me donne. Le patron ne donne rien ici? Absolument pas. Rien du tout. Absolument pas. C'est notre salaire qui est réparti dans l'ensemble du personnel. Et selon la catégorie, en plus, il y a encore en plus des catégories qui rentrent dans l'hôtellerie, selon la catégorie d'un individu, il y a une classification qui est par points. Vous avez le demi-chef de rang qui touche 2 points, le premier chef de rang qui va toucher 3 points, et quand il est d'ancien dans la maison, il va toucher 4 points. Dans d'autres maisons, ce sera un autre système pour le paiement, pour la répartition des services. C'est comme ça. Mais dites-moi, s'il n'y a pas, par exemple, s'il n'y a pas de clients, à un moment bien précis de l'année, vous crevez de faim. Je crève de faim. C'est vrai? Oui, absolument. C'est-à-dire hors saison, vous crevez de faim? Hors saison, enfin, c'est-à-dire ici, on n'a pas. La saison, oui. C'est toute l'année. Ouais. Il n'y a pas de saison chez nous. Mais certains camarades qui travaillent dans d'autres endroits, dans des petits restaurants, que je rencontre, ils n'ont rien gagné le midi. Vous préféreriez être salarié ou pas? Si par exemple, on disait on supprime le service. Non. Les prix nets, ça vous intéresse pas? Non. Non, parce qu'en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, vient s'ajouter à cela ce qu'on appelle, nous, le petit tronc. Le petit quoi? Le petit tronc. C'est le pourboire, voilà. Et ça fait quand même une somme importante à la fin de la journée. Ça finit par faire des sommes importantes. Bon, alors en gros, vous gagnez combien par mois? Ça, non, c'est non. Là, c'est... Non. Je gagne très bien ma vie, c'est tout. Et alors dites-moi, quand il y a de très bons restaurants avec de remarquables pourboires, oui. Il doit pas y avoir beaucoup de place. Ça se revendait. Plus maintenant. On achetait le tablier. On a combien? Ça montait des sommes fabuleuses. Acheter un tablier? On achetait le tablier. Ça montait bien 500 000, mais à cette époque-là, je vous parle de ça il y a 15 ans. Mais c'est pas très moral, ça. C'est pas très moral, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas morales. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous prenez tous les bureaux de placement. Tous les bureaux de placement pour l'hôtellerie qui demandent une petite prime annuelle, vous savez. Alors si vous allongez un petit peu la prime, on vous donne des bonnes places. Mais si vous donnez pas une thune, on vous file rien du tout. C'est le pourboire partout, quoi. C'est le pourboire partout. C'est la combinaison. Voilà, exactement, absolument. Certainement. Pourquoi? Ça se voit comme ça? Ça se voit. Parce que c'est un monsieur d'un certain âge et... En principe, on lui donne le pourboire. Oui. J'en suis certaine. Merci, monsieur. Monsieur, n'oubliez pas notre service, s'il vous plaît. J'ai payé ma consommation là-haut, je vois pas pourquoi le service serait pas compris. Bah oui, mais monsieur, mais monsieur, c'est normal. Vous payez, vous payez pas. Ah, mais monsieur, ça fait partie de la bonne tenue de la maison. Il y a une vestiaire. Merci, monsieur. Oui, en plus, j'ai pas d'invitation, mais j'ai pas autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas de monnaie. Je fais comme mon collègue, là. Qu'est-ce que vous a dit, là? Qui va payer tout le temps? Moi, je peux pas payer tout le temps. Environ VSC, ça fait partie du commerce. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, je crois qu'on devrait pouvoir pisser, excusez-moi l'expression. Qu'est-ce que vous devenez, vous? Et si tout le monde était comme ça, ben, ma foi, à ce moment-là, moi, je donne ma démission, je ne peux pas rester. Vous faites combien par jour, à peu près, pour voir? Je fais à peu près. Lorsqu'il n'y a pas de vestiaire, uniquement toilette, je fais dans les 40 francs. Merci, monsieur. Vous n'avez pas de salaire. Je n'ai pas de salaire. Je suis à la merci du client. Donc, si c'est propre, si c'est bien entretenu, le client a la gentillesse de me laisser un service. C'est pas trop sale, non? Oh, c'est tout le temps sale. Il faut surveiller chaque client. Sinon, ça deviendrait impossible. Regardez. Les gens sont attention, ils tirent même pas la chasse d'eau. Allez, tirez là. Je peux la tirer? Ouais. Voilà. Si je faisais pas ça 100 fois par jour, ce serait pas appréciable de venir dans les toilettes sales. Les 3/4 des clients, ceux qui sont sales, ils donnent rien du tout pour le service. Alors, et chez les dames, comment ça se passe? Bon, c'est la même chose. Les papiers sont par terre, les mégots sont par terre, les tubes de rouge à lèvres sont oubliés sur les lavabos. Tu vois, c'est une véritable sinécure, votre travail. Oui.
Bon, regardez, l'eau coule là. L'eau coule. Ah, le robinet n'est pas fermé. Attendez, alors fermez-le. Voilà. Vous donnez un petit coup sur les lavabos là. Ah oui, tout le temps. Tout le temps, chaque fois que je peux. Mais il y a quelqu'un qui passe. Ah ben, il n'a rien donné. Oh ben, ça m'étonne pas. Je suis pas à mon poste, donc il donnera rien. Alors moi, je trouve ça inadmissible. Et c'est vrai ce que je... Alors pourquoi faites-vous ce métier? Parce qu'il vous rapporte? Je le fais parce que d'abord, j'aime le contact du public. C'est un... C'est un métier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits? On s'ennuie pas. Est-ce qu'il y a d'autres endroits pas d'autres endroits plus intéressants, plus sympathiques pour être en contact avec la clientèle? Oui, il faut trouver, mais en principe, c'est occupé. Hey, taxi, hey. Laisser du pourboire d'après vous? Ben j'espère. On va voir. Combien on vous donne là? On vous donne 20 francs et vous aviez combien d'affiché? 14. Voyons, ça fait voilà. 2 francs. Ça fait 15%. C'est bien pour vous, c'est un pourboire normal? Ouais, normal. Vous êtes pour ou contre le pourboire? Je suis pour parce que je lui ai donné. Ah oui, 2 francs. Ah si, vous êtes pour puisque vous lui avez donné. Ben alors, hein? Oui. Oui, quand on est gentil, moi, c'est normal. Donc vous êtes gentil avec ce monsieur? Oui, parce que c'est gentil. Quand le monsieur est gentil avec moi, je suis gentil avec lui. C'est pour le remercier d'un service? Mais évidemment, parce qu'il était grave, parce que... Il a été rapide? Oui, puis alors il m'a bien reçu. Hein. Ça vous embête pas de laisser du pourboire? Non, parce que le monsieur était gentil. Le monsieur était gentil, ça veut dire quoi, gentillesse? Bah, il nous a conduit où on a voulu, puis c'est tout. Ça vous fait une somme de combien par jour? Relatif, vous savez, c'est très variable, c'est en fonction de... Ça dépend des clients, il y a les clients qui laissent, il y a les clients qui laissent pas, je peux pas vous dire. Des fois, on atteint 15 francs, il y a rien de fixe. Hein. Et c'est la réponse d'un service, ce pourboire, ça correspond à quoi exactement? Disons que... Est-ce que vous sentez une personne qui a vous donné du pourboire ou une personne qui ne va pas vous en donner? Disons que je m'arrange pour avoir du pourboire. Avec un sourire, avec quelques avec mots sourire, pendant avec le... Avec un mot gentil, avec, pendant la course. Quand il y a des bagages, je les prends, je les mets dans le coffre, enfin je m'occupe des clients, quoi. 6,50. Ouais. Combien faut donner de pourboire? Vous en posez des questions indiscrètes. Ah non, bah c'est pas indiscret, c'est moi qui vous le donne. Mais moi ça m'est égal, moi. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation? Il est en train de me... Il se fout de moi ou quoi? Votre collègue, là? Non. Il se fiche de moi ou quoi? Pourquoi? Non, il dit ça sérieux. Si j'en donne pas, vous me... Et même si je vous fais la gueule, vous partez, vous avez rien à foutre. Donnez-moi votre billet que je vous rende votre monnaie. D'accord. Vous me donnez ce que vous voulez, ça vous regarde. 6,50, 7 et 3,10. Si je lui laisse 2 francs, c'est bien? C'est bien. Voilà, ça y est. Ce coup-ci, ça y est, on a... Pourquoi vous mettez votre main plutôt par derrière? Parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude. Sans quoi, quand je dois faire ça, ça m'emmerde. Ça, c'est mieux. Ah, d'accord. Voilà. Derrière le camion, derrière. Et lorsque le client est un étranger... $7. Plus le service, ça fait 8 francs. Ok? Vous avez... Ça y est, je l'ai pris. 1 franc? 1 franc, oui. Je peux vous donner encore si vous voulez. Ah bah si vous voulez, mais. C'est comme vous voulez. Mais en principe, vous prenez combien? En principe, vous prenez combien? 10-15%, ça dépend de la somme. Aux Français, on le prend pas d'office. Mais aux étrangers, on le prend d'office parce qu'ils ne donnent rien, comprenez? Alors comme je suis étranger, vous m'avez pris... Oui, alors j'ai pris 10%, voilà. Attendez, d'ailleurs, je vous apprends rien, c'est marqué sur les bulletins de voiture. Il est d'usage de donner un pourboire au conducteur, mais celui-ci ne peut l'exiger. Ouais. Bon, vous me demandez, je vous dis, ben, en moyenne, c'est 10%, mais il n'est que facultatif, il n'est pas obligatoire. Une file d'attente devant un cinéma, peut-être une pièce pour le chanteur qui nous a fait patienter en musique. Dans le milieu, dans le fond? Au milieu. Merci. Tenez vos billets, madame. Merci. Moi, je donne 1 franc, toujours. Pourquoi? Par habitude. Elle vous rend un service, cette ouvreuse? Des fois. Est-ce que, d'après vous, c'est un pourboire uniquement ou c'est un salaire complet? Pour moi, c'est un pourboire. Très bien, pas passer derrière. Est-ce que vous allez donner de l'argent à l'ouvreuse? Oui. Combien? 1 franc. Pourquoi? C'est l'habitude, je trouve ça humiliant. C'est désagréable de donner de l'argent à une personne?
Je trouve que c'est désagréable, elle devrait avoir un salaire. Alors expliquez-moi, comment êtes-vous payé, vous, ouvreuse? Uniquement pour boire, uniquement pour boire. Est-ce que les gens sont généreux? Ça dépend du film surtout et quoi, ça varie selon le film. En moyenne, nous avons fait la moyenne. La moyenne ne varie pas entre, varie entre 45 centimes et 50 centimes par client. Non, jamais un franc par personne, jamais. C'est-à-dire quand on a des groupes, il y a un franc pour 10 personnes. Que les gens soient 2, 3, 4, 5, le pourboire ne varie pas, c'est toujours un franc. C'est l'éternelle pièce d'un franc qui revient. Généralement, aller sur le billet. Comme je vais devant, je donne un franc et puis je continue tout seul. C'est pour être tranquille en définitive, ouais, plutôt que pour être placé. Oui, ah, si on veut. Merci. Ouais. Et vous, vous allez donner un franc environ. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'a pas de salaire. Vous le savez? Ouais. Alors, si vous vous donnez un salaire, vous trouvez ça suffisant, un franc? Un franc multiplié par le nombre d'entrées, regardez la queue, je pense que ça fait pas mal, rien que pour cette séance. En moyenne, ça vous fait combien? Parce qu'on dit que les ouvreuses se font des salaires astronomiques. Bon, c'est-à-dire qu'il y a eu une émission à la radio qui nous a énormément, déplu. Il y a une ouvreuse qui a dit qu'elle gagnait 1 million par mois, ce qui est absolument faux. Et ça dépendait peut-être du cinéma. Non, il n'y a aucune salle où on gagne 1 million par mois. C'est absolument impossible. Alors on gagne la moitié? Même pas la moitié. Même pas. Et si on ne gagne pas le SMIG pendant 3 mois, on nous donne le complément. Si vraiment le 3 mois, il faut faire en dessous le SMIG. Sinon, on ne donne rien, la direction ne donne absolument rien. Vraiment rien. Voilà. Eskimo, caramel, chocolat. Au pourboire s'ajouteront les 5% de la confiserie vendue. Elles sont 5 ouvreuses dans cette salle. Elles auront 1% chacune. Et voilà, ce que vous voyez là, ça représente 2 séances. Après, on dirait que vous ne gagnez pas d'argent. Et oui, mais il ne faut pas oublier qu'on va devoir partager ça en 5 ce soir. Il y a combien, là, à peu près? 60 francs. 60 francs, 2 séances. Bon, alors prenons le cas d'hier. Vous avez gagné combien hier? Bien, normalement, je ne devrais pas le dire, mais enfin, on a fait... Voilà, entre nous. 40 francs. 40 francs par ouvreuse? Par ouvreuse. Alors, votre salaire mensuel, à peu près? Bien, il est entre 1800 et 2000. Tout à l'heure, vous m'avez dit entre 1800 et 2005. Oui, mais 2005... 2005, on le fait une fois dans l'année, quoi. Il faut faire une moyenne. Est-ce que vous allez donner un pourboire à l'ouvreuse? C'est rentré dans les mœurs, je crois que c'est tout à fait normal. C'est ça normal. Ne gêne pas. Vous donnez un pourboire aussi à votre coiffeur, sans doute? Oui. Non, c'est ma femme qui me coiffe. Donc, je lui donne pas de pourboire. Je m'appelle Henri, le roi de la mise en pli. Ça me donne le frisson. Et quand je fais des franges, j'ai les doigts qui me démangent et les pieds qui se mélangent. Marianne, vous êtes shampooineuse. Assistante shampooineuse. Bon. Et vous avez un salaire et un pourboire. Et des pourboires. Et des pourboires. Alors, vous pouvez parler de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de la place ici? Un pourboire. Pourquoi? On vit sur nos pourboires ici, hein. Même dans le métier de coiffure, en fin de compte. Est-ce que vous pouvez dire une bonne journée, combien, une assistante, combien ça représente? 150, 200 francs pour une bonne journée. Indépendamment de votre salaire? Indépendamment de mon salaire. C'est laissé à l'appréciation de la clientèle, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est-à-dire que pour boire, pour un client, ça peut très bien être 5 francs. Et 10 francs. 10 francs. Ouais. Non, si... pas, vous n'êtes pas obligé non plus de le donner. Et le salaire est important? Le SMIC. Le SMIC. Mm-hmm. Marilyn est l'assistante de Marc. C'est à lui que revient l'honneur de couper les cheveux de ces messieurs. Je n'ai pas de salaire, je suis payé aux clients. J'ai un pourcentage sur les clients. Ah, plus vous faites de clients, mieux vous gagnez. Voilà, c'est évident. Bon, alors j'ai tort de vous donner un pourboire chaque fois, alors. Non, il y a des clients qui peuvent vous donner 15 francs, mais il y en a d'autres qui peuvent très bien dire que c'est assez cher et ils partent comme ça, puisque le pourboire n'est que facultatif. Marc, entre nous, il vaut mieux... être coiffeur pour des bourgeois que de coiffer les ouvriers. Sur le plan financier, c'est évident. Hein. Ah, je m'en serais douté. Pourquoi? Bien parce que, premièrement, ce sont des gens qui sont déjà plus raffinés. Non, c'est parce qu'ils ont le moyen de s'offrir autre chose qu'une coupe dont le prix est fixé par le ministère si des voulez, Finances. Si vous voulez, ça ne fait pas du travail à la chaîne, ça fait du travail qui est plus agréable. Et plus rentable. Aubervilliers, la banlieue ouvrière de Paris. Un salon de catégorie A, c'est-à-dire de première classe. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, prix raisonnable? Ben, disons que ça veut dire que les prix sont très honnêtes et représentent une certaine qualité de travail, mais dans un quartier qui ne me permet pas de faire des prix irraisonnables
C'est-à-dire des prix hors catégorie. Alors une coupe normale, ça monte à combien? Une coupe normale monte à 11 francs. C'est-à-dire le prix de la catégorie A. C'est ça. Est-ce que les gens vous laissent du pourboire, en général? Énormément. Ça reflète toujours, le pourboire reflète toujours une certaine qualité de travail, une certaine sélection de la clientèle. On va demander à votre client. Là, j'ai mes deux fils avec moi, je lui laisse à peu près 400 francs. 4 francs donc pour 3 personnes. Oui. Est-ce que d'après vous, c'est un bon pourboire, c'est un pourboire normal? Bah, c'est-à-dire si je pouvais faire plus, je donnerais plus. Vous, coiffeur à Aubervilliers, c'est pas votre projet? Je n'en rêve surtout pas, non. Je préférerais faire autre chose. Mais là, vous aviez comme projet d'arriver jusqu'aux Champs-Élysées. C'est la consécration ici pour vous, non? Certainement, mais ça s'est fait par chance aussi. Voilà. Surtout par chance et... Et votre niveau de vie est élevé grâce à cela? Aussi. Comment? Aussi. Ouais. 100 francs, monsieur Leval, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez me donner... Donnez-moi de la monnaie aussi. Oui, bien sûr. La plupart des salons augmentent leur tarif des 15% de service qui était jadis le pourboire du garçon coiffeur. La somme à payer est donc un prix net et pourtant il est d'usage. Au revoir, ma. Merci, monsieur Leval. C'est toujours un. J'ai remarqué que c'est toujours un geste impossible. C'est vrai. Pour tout le monde. Moi, je trouve ça un peu gênant, pas vous? Un peu humiliant, mais enfin. Tenez. Merci, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Merci. Merci. Allez, prenez un. Non, monsieur Levaille. Voilà, je vous donne d'abord. Non, bah, d'accord. On sert d'abord la main. Au revoir. L'argent, tous achètent et tous l'argent. Et c'est toujours l'addition s'il vous plaît. Vous avez demandé combien d'essence, monsieur? J'ai demandé pour 30 francs. 30 francs, vous allez laisser un pourboire? Je tiens compte du service. Il est évident que si on me nettoie mon pare-brise, si on a un petit soin, je suis attentif et c'est normal que je donne un pourboire. Et on va regarder alors. Hein. Et vous pouvez filmer le pare-brise parce qu'il est sale, hein? Alors plus il est sale, plus on doit vous donner une somme importante. Il y a des pare-brises à 1 franc, à 2 francs, à 3 francs, ça dépend. Il est à combien celui-là? Bon, celui-là, pas mal. Je pense que je vais être assez généreux parce que je reviens de Belgique et en Belgique, on vous nettoie jamais le pare-brise. Ah donc en Belgique, vous ne donnez jamais de pourboire? Non. Vous avez au moins? Ah oui, oui. De toute façon, là, je suis pris au piège, je suis obligé de... Pour éviter, entre autres, le geste du pourboire, des stations-service self-service se sont ouvertes depuis quelques années en France. Ici, il n'y a pas le problème de la pourliche. Pourquoi? Parce que ça me débecte. Ah bon? Et pourquoi? Expliquez-nous ça. Bah parce que ça, c'est mendicité, quoi. Non, ça m'embêtait de donner à un mec qui faisait la manche, et puis il n'avait pas envie de faire la manche, mais pourtant, ça lui arrondissait son salaire. Est-ce que ça vous gêne pas trop de vous servir vous-même? Ah non. Vous préférez ça plutôt qu'un pompiste? Ça ne me gêne pas, c'est pas tellement fatigant. C'est plus rapide. Ça vous évite de donner un pourboire ça... Ah bon, vous en donniez quand même lorsque vous alliez dans une pompe normale? Très rarement, quand on me faisait mon pare-brise. Monsieur Schaeffer, est-ce rentable tout ça? Oui, certainement. Pourquoi? C'est rentable pour la raison suivante, c'est que dans les heures de pointe, un peu comme vous voyez actuellement, en ce moment, il faudrait quand même au moins 5 à 6 pompistes pour assurer le service. Alors là, une caissière seule peut arriver à satisfaire les demandes. Là, maintenant, ils prennent ce qu'ils veulent. Et ils prennent le maximum, 9 fois sur 10, parce que comme ils se servent, je ne sais pas s'ils en font un jeu ou quoi, mais enfin, ils se servent et ils en prennent certainement beaucoup plus, peut-être, que si un pompiste leur avait proposé un plein ou... Un pourboire, là? Ah non, rien du tout. Rien du tout? Sec. On va leur demander, alors. On va leur demander pourquoi. Vous n'avez pas laissé le pourboire, pourquoi? Pourquoi? Oui. Vous êtes contre le pourboire, sans doute? Non, pas du tout, non, mais je crois que l'essence est assez chère. Attends, on va le voir, on va lui dire, là. Ah, voilà. Si vous voulez savoir, il ne vous a pas donné de pourboire parce qu'il trouve que l'essence est assez chère. Maintenant, il ne trouve jamais que son pare-brise est trop propre, hein. Il aurait pu me dire, non, c'est pas la peine. Sachant qu'il n'allait pas vous donner de pourboire. Il y a des clients, comme ça, ils nous disent, non, c'est pas la peine, bon, ben, on n'insiste pas. Vous allez laisser du service ou non, là? Non, je fais mon pare-brise moi-même, je crois que je vais faire des services. Est-ce que les gens vous donnent quand même du pourboire, mademoiselle? Bah oui. Même ici, le réflexe pourboire est tel qu'à défaut de service, le récompense le sourire de la caissière. Un tout trèfle de 40. Vas-y. Ah, c'est bon.
Bonjour, madame, c'est le télégramme pour monsieur Roger, là. Pouvez-vous me dire quel étage, s'il vous plaît? Oui, troisième étage, gauche, par l'ascenseur. Merci. Entrez. Ben pour boire, moi je suis pour donner le pourboire, de toute façon. Hein. Parce que moi je le donne, le pourboire. Ouais. Vous le donnez à qui? Ben, au petit télégraphiste, au postier, n'importe qui. Oui. Tout le monde, moi. Chez le coiffeur aussi? Ah oui. Pourquoi? Surtout parce qu'elle me coiffe bien. Ça signifie quoi? Ça signifie de donner le pourboire? Ouais. Ben, moi je travaille pour avoir le pourboire, j'estime que tout le monde doit avoir le pourboire. Je suis concierge, eh bien, je gagne pas beaucoup. Hein. Alors quand on me donne un pourboire, je suis bien contente. On dit des fois que les étrennes des concierges atteignent des sommes astronomiques. Oh, ça dépend où. Bah, enfin, prenons votre cas. Ah ben, moi, je n'ai pas à me plaindre, parce que ce sont tous des gens bien dans la maison, et en fin d'année, je suis bien récompensé. Oui, mais récompensé de quoi, alors? Quel est le service que vous leur rendez? Ah ben, n'importe quoi. Je leur rends tous les services possibles. Et alors, si je ne vous donne rien à la fin d'année, comment vous réagissez? Pareil. Moi, le petit gars qui est au sixième dans une chambre au sixième et qui me donne 1000 francs, il est aussi bien vu que l'autre qui me donne 40 francs. Vous lui prendrez quand même ses colis et ses recommandés? Ah, oui, pareil. Pourquoi je ne prendrais pas? Parce qu'on dit que pour être bien avec sa concierge, il faut quand même lui donner une pièce de temps en temps. Et un petit locataire. Un bon cadeau en fin d'année. Oh, non, un bon cadeau. Non, ouais, ça dépend. Les petits étudiants, ils me donnent un petit bouquet de fleurs à la fin de l'année. Ça me suffit, moi. Je suis contente. Bonjour, je suis venu chez Mademoiselle Al Soleil. Oui, merci. Voilà, c'est le télégramme pour vous. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. On est en train de vous filmer là, pour FR3 à l'émission vendredi. Vous ne donnez pas de pourboire? C'est pas une habitude pour vous de donner des pourboires? Ah non, je pense pas. Non. Pourquoi? Pourquoi je ne donne pas de pourboire? Bah, je sais pas, c'est pas un métier où on donne un pourboire. Bah, je sais pas. Oui. Mais il est payé par les PTT pour faire son métier. Je peux lui filer 100 balles. Vous êtes contre le pourboire? Mais ça dépend comment fonctionne la rémunération de l'employé parce que. Bon, s'il a un fixe normal et où on compte pas le fait qu'il va avoir des pourboires, bon, y a pas de problème. Mais par exemple, un garagiste, un ouvrier garagiste, un apprenti, commence à travailler. La plupart du temps, ils sont presque pas payés quand ils apprennent à être mécano ou des trucs comme ça. Et ils comptent toujours sur le pourboire du client pour allonger l'assaut. C'est le patron du garage, il donne toujours, il dit toujours, bon, bah, vous aurez les pourboires. Ou le pompiste. Ouais. On compte toujours que l'assaut sera allongé par le pourboire du gars qui en aura nettoyé le pare-brise. Bah, et une vendeuse, mais je sais pas, c'est l'apprenti qui travaille chez un gars comme ça, moi je suis contre parce qu'il compte, il compte sur le client pour allonger la sauce de la paye qu'il veut pas donner. Alors parce que vous êtes contre, vous ne donnez pas de pourboire? Mais ça dépend, il y a des fois où on se sent complètement obligé, en plus on est coincé par un quartier, par des habitudes, par des commerçants, par des trucs comme ça. Par une main qui se tend aussi. Par une main qui se tend, enfin encore la main qui se tend, c'est tellement déplaisant qu'on arrive toujours à s'en sortir, mais quand c'est tellement plus tacite et... Moi j'étais vendeuse, hein. On m'a donné un pourboire parce que j'ai fait un paquet de cadeaux, j'ai refusé parce que les gens n'ont pas à me donner un pourboire parce que je fais mon métier. Vous avez déjà eu un très gros chèque en fin d'année? Ou un beau cadeau? Oui, j'ai eu des beaux chèques, des beaux cadeaux. Le plus gros, il était de combien? Ah bah je peux pas vous le dire. Oh, si, si, vous pouvez le dire, normalement. Ça ne le dira pas au fisc, vous en faites pas. Ben 100 000 francs, 1000 francs quoi. 1000 francs, oui. Ça fait déjà une bonne somme. Oui. Comme dit ma concierge, c'est de la faute à personne si les gens sont trop. Ben oui, je l'ai dit. Madame, savez-vous que dans certains immeubles parisiens, les concierges se font des étrennes qui abordent le million? Vous le savez, ça? Non, ça, je l'ignorais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dans une cité? Oh, de toute façon, hein, on est loin de toucher un million. Hein. On touche des étrennes, c'est évident. D'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de gardiens conservent l'emploi de gardien, parce que s'il n'y avait pas d'étrennes et de pourboire, proprement dit, le salaire n'en vaudrait pas la peine, hein, puisque nous n'avons même pas le SMIG. Et... les gens vous remercient selon ce qu'ils jugent que vous avez fait ou pas fait votre travail. Même des fois, vous l'avez fait, c'est pas pour ça qu'ils vous en donnent. Mais enfin, à moins que vous ayez une altercation particulière avec eux, alors là, les étrennes, il n'en est pas question. Ça varie entre combien et combien, la somme? Ça dépend de la gardienne. Alors, vous prenez votre cas? Bah, ça dépend. Ça doit faire 1500 francs, 150 000 francs. Pour combien de locataires? Pour 132 locataires. Mais enfin, ça varie. Hein. C'est de 1500 à 2000 francs quand même. Hein. Il y a des gens à qui on a rendu quand même dans des années de très grands services et qui ont su compenser ces services par des pourboires, même des fois très nombreux. Hein. Alors madame, savez-vous que dans certaines loges parisiennes, on paierait une somme importante pour devenir concierge? Oh ben, c'est pas moi qui paierais pour devenir concierge. Hein. Même que je gagnerais trois fois plus, je cesse mes activités à la fin du mois et croyez-moi que jamais je ne recommencerai ce genre de travail. Hein.
Non, c'est trop. Vous êtes trop à la merci des gens et puis c'est trop. Même pour un pourboire, vous savez, il y a des services qui sont très difficiles à rendre. Hein. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Poussez un peu, monsieur. Et vous montrez, monsieur. Voilà, voilà, monsieur. Aujourd'hui, vous voyez. Oui. C'est à chaque tour, hein. Chaque tour. Oui, vous voyez, écoutez, je ne que vous ne voyez pas. 157-11. Voilà, madame. 100. 50. 5. 7. Et voilà, madame. Merci, jeune homme. Voilà, à votre service. Bien, merci, madame. Vous pouvez revenir demain. Merci, hein, madame. Alors, pourquoi vous donner une pièce à ce monsieur? Parce qu'il est gentil. Il nous apporte nos soins à domicile. Et s'il doit revenir, il revient. Si à personne, il revient, il dirait à personne. Voilà. C'est pour le remercier, alors? Oui, c'est pour le remercier. Merci, il est très gentil. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Oh, oui, ça fait déjà un moment, hein. Ah oui, hein? Pas loin de 20 ans. Hein. Voilà, allez, au revoir, mesdames. Merci bien. Je vais venir demain, hein. Ça fait plaisir, oui, parce que les gens sont chouettes quand même. Les gens, il y a Ils sont chouettes pourquoi? Ils sont chouettes parce que vous avez un pourboire? Par leur accueil aussi. Et lorsqu'on vous donne rien? Oh, bon, c'est pareil, je fais très attention, au contraire. Au contraire, j'envoie jamais de salade. Hein. Je dis au revoir, bonjour, enfin, peut-être. Ça arrive, ça, puis les gens ne sont pas obligés à donner. Hein. Et voici, madame. Bien, merci, en un madame. Mois, vous gagnez combien de pourboires? Ah, ça c'est délicat. Allez, on va je dire. Je n'ai jamais compté. Hein. En gros. Alors, en gros, c'est pour moi. Oh, 320, 330. Oui. Ouais. Alors ça arrondit bien le salaire. Oh, ça fait plaisir, bien sûr, tiens. Alors ça correspond à quoi ce pourboire qu'on vous donne? Bon, ça, vous savez, c'est un peu dans l'habitude. Hein. De tout temps, j'ai eu des. Parce qu'avant d'entendre la VTT, j'étais garçon de coiffeur. J'étais habitué à recevoir déjà des pourboires. Hein. Voilà, au revoir, messieurs. Au revoir. Non content de donner du pourboire à chaque instant, le Français, qui est décidément généreux, se crée de nouvelles habitudes. Il récompense le commerçant qui a la gentillesse de lui vendre sa marchandise. C'est toujours un pourboire, tout. Régulièrement, de temps en temps. Oui, ça veut dire quoi? La plupart du temps. Ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est une marque de sympathie, non? Pour qu'il vous serve mieux ou bien ou... Non, je sais pas, c'est une habitude. Monsieur, vous recevez souvent du pourboire? Ça arrive, de temps en temps. Oui. Ça représente quoi, alors? Comme la dame vient de dire, une marque de sympathie pour. Pas spécialement pour être mieux servi, mais enfin. Une gratitude, quoi. Alors, André, merci. Voilà, madame Renaud. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Vous venez de donner un pourboire, madame, pourquoi? Parce qu'il est très aimable et puis je suis très bien servi ici. Vous avez donné combien? Vous êtes curieux? Oui. Oui. Vous avez donné combien? J'ai donné un franc. Ça n'augmente pas trop le prix de votre non, 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 parce que cette maison me rend service. J'habite un sixième étage. Téléphone de chez moi et on me livre ma viande. Ici, 5,48 francs 80. Le service est compris, là? Non, non, non. Alors, qu'est-ce que je fais en principe? Parce que j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je me fais livrer. Oui, ben, vous faites un chèque. Oui, je fais un chèque, mais je veux dire pour le service. Comment ça se passe? Vous le donnez à part, si vous voulez. Alors, vous le mettez sur le chèque. Oui, et je le laisse combien? Ah, ben, c'est quoi, vous voulez? En principe, on laisse combien? Ben... Là, pour le jouer, j'ai 148 francs, là. Qu'est-ce que je dois vous laisser pour que ça soit bien, pour que ça soit correct? Ben, 5 francs, là. 5 francs, c'est bien? Oui. Les gens sont généreux, en général? Ah, ben, j'espère, parce qu'il n'y a plus personne qui veut le faire, le boulot, voilà. Ah bon? Le boulot de livreur? Ah, c'est fini, ça. D'ailleurs, moi, dans un jeune âge, je pars à la retraite, tout le vélo n'est plus livré, c'est fini. Personne ne veut le plus faire. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on donne plus de pourboire ou c'est pour quelle raison? Ben, c'est-à-dire, les gens, ils veulent pas monter les étages. Hein. Oui, mais puis ça. Les caisses. Ah. Puis la circulation. Regardez-moi avec le camion, comment je peux me placer là, il n'y a jamais. Oui. Non, mais au niveau du pourboire, comment ça se passe en général? Ça se passe bien, les gens sont généreux? Oui, quand même. Oui. Je vais vous donner 5 francs. Oui. Et vous allez faire combien de clients dans la journée? Oh, ça dépend. Oh là là. Et aujourd'hui, j'en suis à
à mon septième. Ah bah ça va alors, ça va. Impossible de rouler, impossible. Oui. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Ouais. Mais vous savez, hein, la maison, ce qu'elle nous donne, vous savez, elle nous donne 800 francs par mois. Ah d'accord, donc... Et alors, il compte sur les pourboires. Ah d'accord. Et alors, c'est comme le garçon du café. Vous savez que certains bouchers se font jusqu'à 8000 francs pour voir complet. Oh là là. Oui, oui. Dans certaines maisons, comme dans les grandes surfaces, les boucheries Bernard, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut que ça saigne. Monsieur Bourratière, on dit que vos bouchers se font des sommes astronomiques en pourboire. Monsieur, je pense que c'est faux. Mais ce problème est pour nous d'une grande ambiguïté. Vous n'avez pas été sans remarquer, en rentrant dans ce magasin, que nous avions à poser une affiche concernant le pourboire, qui est celle-ci, et qui dit très précisément « Le pourboire est interdit. Les clients victimes de sollicitations ou mal servis sont invités à se faire connaître. » Nous effectuons une surveillance discrète sur un client qui, étant servi, a donné une gratification à son vendeur. Nous nous approchons de lui et nous lui disons « Nous pensons, madame ou monsieur, qu'il n'était pas indispensable de donner un pourboire aussi modeste soit-il, à votre garçon, pour être bien servi. » Et le client nous répond, « Monsieur, il n'y a aucun texte de loi qui m'empêche de gratifier votre garçon qui m'a apporté un service si j'estime que ce garçon a effectué son travail correctement et que je veux le récompenser. » Est-ce que vous avez laissé du pourboire, votre boucher? Oui. Allez, avouez. Oui. Quelle somme? Bon, 50 centimes. C'est pas pourquoi beaucoup. C'est interdit, hein? Ben, je sais. Alors pourquoi? Comment vous avez fait pour lui donner? Ah, j'ai glissé dans les petits papiers, comme tout le monde fait d'ailleurs. Comme tout le monde fait? Oui. C'est pas bien ça, oui. Si c'est interdit. Oh oui, c'est interdit, mais vous savez, hein. Quand on est bien servi, et qu'on va toujours vers le même boucher. Nous estimons que la viande est un produit qui est en soi déjà suffisamment cher et que les gens ou les clients n'ont pas à se donner un pourboire pour être servis. Nous la sanctionnons. Alors comment ça se passe? Là vous avez la... Mettons vous avez la facture, ça, comment vous faites? Expliquez-moi. Je mets carrément comme ça. Mais vous coincez la pièce avec votre nom? Non, même pas comme ça. Mais pourquoi donnez-vous justement cette pièce? Bah parce que c'est normal. C'est normal? Moi je trouve ça normal. Mais c'est pour être bien servi? Non, pas spécialement. Vous prenez un taxi, vous donnez le pourboire. Comme dit ma concierge, c'est de la faute à personne si les gens sont trop. Les exceptions existent pourtant. À Paris, par exemple, le théâtre de la ville. Sa devise, le sourire qui vous accueille ici n'attend que le vôtre en échange. Sa règle, le pourboire, interdit. Ici, l'ouvreuse est une employée comme une autre. Mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de ce système? Est-ce que les gens, des fois, vous donnent un pourboire? Ça arrive qu'ils nous en proposent, oui. Qu'est-ce que vous en faites? Nous refusons, puisque ce n'est pas accepté au théâtre. Mais quel est votre travail? Regardez, les gens passent et vous ne leur faites rien, là. Pas du tout, ils nous indiquent à quel rang ça se passe. Vous êtes pour ou contre le pourboire? Vous êtes pour ou pour le... Contre, personnellement, je trouve qu'on doit payer normalement les gens. Alors, contre le pourboire? Oui, contre le pourboire. Je trouve que c'est très agréable d'entrer dans un théâtre sans avoir toujours de l'argent dans ses poches à distribuer à droite, à gauche. C'est insupportable. Au restaurant aussi, le pourboire est interdit. Les serveuses sont payées au 15% machine. Plus de calcul pour la clientèle. Les prix sont nets. Le pourboire est strictement interdit, sous peine de renvoi du personnel. Cette année, avec les femmes, je n'ai pas eu de renvoi de personnel. Avec les hommes? Avec les hommes, j'avais des difficultés. Je m'excuse, mais... Alors si je suis client, je suis content, je laisse quand même une pièce par habitude. Qu'est-ce que vous faites? Si je ne la vois pas, je ne peux rien dire. Vous la mettez dans votre poche? Ah, pas moi. Enfin, non. Le serveur. Le serveur, si le client forcément part et qu'il a laissé une pièce, il ne va pas courir après forcément pour lui rendre sa pièce. Mais en général, il fait attention car c'est une cause de renvoi immédiat. Pourboire interdit, je trouve ça tout à fait normal. J'estime que le pourboire doit être compris dans le prix... C'est-à-dire que le patron doit payer ses employés au même titre que n'importe quel employé. Je travaille, moi, à la SNCF, il n'y a aucune raison que le type qui vous vend un billet n'ait pas un pourboire pour vous avoir bien servi. Est-ce que le service ne s'en ressent pas? Est-ce que vous avez bien été servi, là? Ah, très bien, absolument. Nous venons régulièrement.
très souvent. Et monsieur là-bas, monsieur. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une règle d'or. Tous les restaurants auxquels on va, on préfère le service tout compris. Les prix net, tout compris, sans service, surprise, boisson, etc. Où il n'y a pas de surprise. Mais... Et c'est aussi bien pour nous que pour l'hôtelier qui fait le travail. Et y compris pour le personnel, parce que le personnel, c'est la mendicité, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'abaissent à demander un pourboire. Voilà. Ils doivent savoir en quelles conditions ils travaillent et être sûrs de leur salaire. Alors un dernier détail, monsieur, lorsque vous prenez... C'est une question de dignité. Un dernier détail, monsieur, lorsque vous prenez de l'essence ou lorsque vous allez chez votre coiffeur ou lorsque vous allez au cinéma... Premièrement, je vais toujours dans des pompes avec des réductions. Hein. Premier principe. Deuxièmement, le pourboire, pas du tout. À votre coiffeur, jamais de pourboire. Jamais de pourboire. Vous êtes sûr qu'il vous coupe bien les cheveux? Oh, tout à fait. D'ailleurs, je vais toujours chez le même et je suis très copain avec lui. J'ai aucune fleur, mais aucune récrimination. Alors, peut-on parler de solution futuriste, le prix net? Ah oui. Il faut abolir le pourboire. Donc, vous êtes contre? Hein? Tout à fait contre. La main à la poche, fini. L'essence, le coiffeur, tout le temps, non. On n'en finit pas, toujours. La mendicité. Non, je suis contre.